combien coûte un être humain? Évidemment, je pose la question pour un ami, hein, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Et si vous pensez que cette question est glauque, eh bien oui, elle est. Mais elle est aussi essentielle, parce que vous le vouliez ou non, des gens se sont penchés sur cette question. Et quand je dis des gens, je fais référence à des états. En réalité, il n'existe pas un prix fixe pour un humain, mais bien différents prix qui dépendent du calcul utilisé pour le déterminer. Parfois c'est super simple, lorsque par exemple des ravisseurs demandent une rançon lors d'un enlèvement. J'ignore qui vous êtes. J'ignore ce que vous voulez. Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent. Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Mais également le prix que cela vous coûterait d'embaucher un tueur à gages pour éliminer quelqu'un. Apparemment, en moyenne, on se trouverait sur des prix qui oscillent autour de 18 000 euros. Finalement, c'est moins cher qu'un parking à Paris. Voilà. Mais c'est pas plus mal parce qu'on va voir dans cette vidéo que dans certains cas, vous valez plus cher mort que vivant. Après, si on essaie d'être plus objectif et de réfléchir d'un point de vue macroéconomique, la question se corse un peu. Mais, des gens beaucoup plus intelligents que moi ont une réponse. Vous l'aurez compris, on va parler dans cette vidéo des différents prix d'une vie humaine. Du prix économique, du prix physique, mais aussi du prix technologique. Donc de vos données. Et on va même faire un petit test pour savoir combien je coûte. Yes! Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Ok, on commence. Remettons les choses dans leur contexte. Pourquoi mettre un prix sur une vie? À quoi ça peut bien servir? Eh bien, tout est une question de choix. L'État, lorsqu'il doit allouer du budget à un projet, il doit faire des calculs pour dépenser cet argent de la meilleure manière possible. Et pour ça, il tente d'être objectif, donc de donner des valeurs monétaires à des facteurs qui de base ne sont pas du tout quantifiables. Et cette technique va lui permettre de déterminer s'il vaut mieux construire une nouvelle autoroute ou financer des dodanes près d'une école par exemple. Fixer un prix sur un humain permet également d'estimer les indemnités en cas de décès accidentel. Il y a pas mal d'indicateurs qui existent en Europe, mais nous on va surtout parler de la manière française. Le Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective a suggéré en 2013 l'utilisation d'un indice nommé VSL. Valeur statistique d'une vie. À ce moment-là, il avait été évalué à 3 millions d'euros. Comment ils sont arrivés à ce résultat? Ils ont calculé le rapport entre la somme d'argent que la société est prête à débourser pour protéger ses citoyens d'un risque et la probabilité de survenance de ce risque. Est-ce que c'est clair? Je vais vous donner un exemple, ne vous inquiétez pas. Et si vous comprenez toujours pas après ça, bah faites semblant. Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Bref. Considérons une population de 10 000 individus comparables. On leur dit que selon les probabilités, 9 personnes vont décéder cette année. Maintenant, on ajoute qu'un décès sur les 9 peut être évité si on mobilise assez de moyens financiers. Si l'on parvient à convaincre chaque individu de payer 500 euros, la valeur du décès évité est donc de 5 millions d'euros. Dans le cas du Covid et du confinement, on a affaire à un cas typique où connaître le prix économique d'un humain est essentiel. Selon les prévisions de l'Imperial College de Londres, le confinement en mars aurait permis d'éviter 690 000 décès en France. C'est un chiffre très discutable, donc ne le prenez pas au pied de la lettre, mais il permet de se rendre compte des dilemmes auxquels les économistes et les autorités font face. Donc on a dit 690 000 décès évités, or selon l'IFRAP, une semaine de confinement coûte aux finances publiques 16 milliards d'euros. Donc pour 8 semaines de confinement, on atteint la somme astronomique de 128 milliards d'euros, soit 185 507 euros pour une vie épargnée. Et si ça peut vous sembler anecdotique, sachez qu'en Angleterre, ils vont carrément plus loin que chez nous. Dans le domaine de la santé, par exemple, lorsque le remboursement d'un traitement est à l'étude, on s'interroge en termes d'années de vie gagnées et de qualité de vie versus le montant des ressources engagées pour le traitement. Ça, c'est quelque chose que l'on fait partout. Mais en Angleterre, en dessous d'un certain ratio, les traitements ne sont pas remboursés. C'est-à-dire que l'on considère qu'une personne ne vaut pas le coup d'être soignée. En France, on se refuse à aller jusque-là et le débat sur le coût d'une vie est ultra tabou et a d'ailleurs plein de limites. Dans ces calculs, des paramètres ne sont pas pris en compte comme l'âge ou la richesse de la personne. Et bien sûr, ça peut vous sembler hyper dérangeant d'un point de vue moral, mais ça fausse quand même tous les calculs. Il faut se dire qu'en plus de ça, ce sont des valeurs fixées par pays. Un Européen coûte donc moins cher qu'un Américain, mais plus cher qu'un Africain. Vous voyez que, éthiquement parlant, on a pas mal de soucis à associer l'être humain à une marchandise. Dans notre société, la valeur statistique d'une vie est pourtant très utile pour enlever le côté irrationnel que peuvent avoir certaines décisions. Dans un des articles que je lisais pour préparer cet épisode, le philosophe Pierre Lecoz disait « J'ai travaillé pour le Comité National Consultatif d'Éthique sur une projection de potentielle pandémie. On devait réfléchir à la façon de s'organiser dans ce cas. Le temps que le vaccin soit produit à grande échelle, on a deux solutions. » Soit on choisit un principe de tirage au sort, soit on hiérarchise les individus en fonction de leur utilité sociale. Et vous savez en quelle année il réfléchissait? 2016.
On vient de voir combien vous coûtez d'un point de vue économique lorsque vous êtes vivant, mais sachez que vous pouvez aussi valoir beaucoup d'argent lorsque vous êtes mort. Oui, je vous avais dit que cette vidéo allait être un peu glauque, mais passionnante. Si. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des marchés très douteux où des organes humains s'échangent à très bon prix. Un marché que vous pouvez évidemment retrouver sur le dark web. Pourquoi il existe un marché noir ? Pour le comprendre, je vais donner quelques chiffres. Oui, encore. Des chiffres qui datent certes de 2015, mais qui sont toujours d'actualité. En 2015 donc, aux États-Unis, 113 000 personnes attendaient une transplantation d'organes. Et chaque jour, 18 personnes sont mortes en attendant d'être transplantées. Certaines familles sont donc prêtes à payer très cher un organe qui pourrait sauver un de leurs proches. Et si vous vous demandez comment on peut récupérer des organes, eh bien sachez qu'il suffit parfois de simplement soudoyer des maisons funéraires ou de carrément se servir. Je m'appelle Liv Moore et je suis morte, plus ou moins. J'avais une carrière prometteuse et un super fiancé. Et puis je suis allée à la soirée la plus déjantée du monde sur un bateau et je suis devenue une zombie. Je travaille à la morgue pour me fournir un cerveau. Durant les 25 dernières années, 1500 personnes ont déclaré des vols de cadavres. Mais bien souvent, personne ne se rend compte, puisque les voleurs recousent grossièrement la peau pour que ça passe inaperçu. Bref, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir combien vous pourrez vendre vos organes. Bon, évidemment, ça va dépendre de votre état de santé au moment de votre mort et de votre âge. Donc les prix sont très variables. Mais pour vous donner un ordre d'idée, comptez 508$ pour votre estomac, 1500$ pour vos yeux, 119 000$ pour votre cœur, ou bien encore 157 000$ pour votre foie. Mais en réalité, ce ne sont pas les organes qui rapportent le plus d'argent, ce sont les liquides et les protéines humaines. Je n'aurais jamais pensé dire cette phrase de ma vie. Seulement 22 grammes de protéines de transférine, qui sont logées dans notre foie, valent 287 000€. Notre ADN se vendrait à 6,6 millions d'euros. Mais la palme d'or revient à la moelle osseuse. 1 gramme vaut 15 700€. Donc toute la moelle osseuse présente dans notre corps a une valeur de 15,7 millions d'euros. Ce qui ferait qu'un exemplaire sain du corps humain pourrait atteindre un prix de 30 millions d'euros. Et ce genre de trafic n'existe pas que sur le dark web. Bien sûr, on peut parler des cheveux qui se vendent pour faire des perruques, mais écoutez-moi bien, jusqu'en 2016, vous pouviez acheter des restes humains sur eBay, genre des crânes sculptés ou mis sous forme d'abat-jour. Il y a de véritables collectionneurs. Moi petite, je collectionnais des fèves. Après, chacun ses hobbies, quoi. Qui est-on pour juger ? Depuis 2016, le petit trafic fleurit sur Instagram, où on peut acheter des pièces entre 640 et 1000€, et qui vont parfois jusqu'à 18 000€ l'unité. Qu'est-ce qui vous reste à vendre maintenant ? En partant du principe que vous n'avez pas vendu tous vos organes, et donc que vous êtes toujours en vie. Si vous regardez cette vidéo, vous possédez probablement Internet. Et ça, ça nous arrange. Parce qu'on va essayer de vendre nos données pour voir combien un humain peut coûter numériquement parlant. Figurez-vous que le Financial Times permet de faire une simulation pour voir combien une entreprise serait prête à payer pour vos données personnelles. Alors j'ai fait ce test et vous serez ravis de savoir que mes données valent 0,2748$. Je suis vraiment pas prête de devenir millionnaire. Je vous mets le site en description si ça vous tente. Sachez que les données d'une personne moyenne se vendent souvent pour moins d'un dollar. Les informations générales sur une personne comme son âge, son sexe et son emplacement valent à peine 0,0005 centimes par personne, ou 50 centimes pour 1000 personnes. En revanche, si vous achetez une voiture, un produit financier ou si vous prévoyez des vacances, vos données auront légèrement plus de valeur pour les entreprises qui veulent vous vendre ce type de produit. Pareil pour certaines étapes importantes de votre vie qui entraînent des changements majeurs dans vos habitudes d'achat. Comme par exemple, devenir parent, déménager, se fiancer ou acheter un appartement. Du coup, vous l'aurez compris, votre valeur numérique va changer en fonction de ce que vous serez le plus enclin à consommer, mais également aussi de votre présence sur Internet. Le nombre de mots de passe que vous avez, le nombre de comptes, le carnet de santé, est-ce qu'il est numérisé ou pas, etc. Pour clore cette petite vidéo en beauté, sachez qu'il existe un test qui vous dit combien vous coûtez. Genre, il y a une liste de questions, et eux, à partir de ces questions, ils vont déterminer quel est le prix de votre vie. Voilà, donc là, c'est bon, plus de tabou. Hein. Je pense qu'on est arrivé à un niveau entre nous de connivence. On fait un truc un peu malsain, on le sait. Mais c'est marrant quand même. Alors on va le faire ensemble ce petit test, vous allez voir qu'il pose des questions quand même très chelou. Bon au début c'est facile, hein. Femme. Mon année de naissance, 82. Et non je rigole, je ne suis pas aussi vieille. Je suis très drôle, hein. Le meilleur département de France, évidemment, la Haute-Garonne. Origine ethnique. Déjà là ça commence à être moyen en termes de questions. Pointure 39. Très grand pied par rapport à ma taille. Et là, il me demande de m'estimer en termes de grosseur. Donc là, on arrive à un niveau sportif, j'aurais pas utilisé ce qualificatif. Bon, bah, normal. Y a pas de normal. Lunettes. Non, je porte pas de lunettes. Votre charme. Ah oui, non, là, c'est chaud. Je sais pas. Comment on estime son charme? Je peux pas m'auto-charmer, ça n'a aucun sens. Comment vous situez-vous en culture générale?
de la moyenne, hein. C'est ma plus grande fierté. Votre style vestimentaire, gothique direct, fashion, skater, non mais quels sont ces choix proposés? Ça n'a aucun sens. Kitsch? Qui va dire « Ouais, je suis kitsch ». Bon, classique, hein, classique. Regardez-vous souvent la télévision? Jamais. Savez-vous envoyer un mail? Quel est le rapport avec mon prix? Genre, je vais coûter moins cher si je sais pas envoyer un mail? Quel genre de site web visitez-vous le plus? Y a pas YouTube? Bah, j'aimais une musique, alors. Ah, comment situez-vous votre sens de l'humour? Ça, c'est pareil avec le charme. Un objectif incroyable, je vais mettre à toute épreuve. Pff, bah non, j'ai pas mettre ça. Je vais mettre dans la moyenne. J'ai bien dans la moyenne. Comment estimez-vous votre goût? Mon goût de quoi? Genre, mon goût pour la nourriture, mon goût en général... par exemple, dans le choix des couleurs. Parce que là, c'est vrai que c'est pas ouf. Le goût de la nourriture, ouais, j'aime bien manger quand même, on peut se le dire. Je vais mettre dans la moyenne, du coup. Je sais pas trop pourquoi. Je mets tout dans la moyenne, hein. La meuf, elle prend pas de risque, quoi. Qu'emporteriez-vous sur une île déserte? Je sais pas pourquoi, là, la première chose que j'ai vue, c'est de l'alcool. Voilà, de la crème solaire. Eh ben, ils me connaissent bien. En vrai, ça pourrait peut-être me sauver de la crème solaire, on peut se le dire. Mais une carte de crédit, mais qui fait ça? Ça n'a aucun sens. Par contre, une boîte d'allumettes directe. Je sais pas qui regarde Koh-Lanta ici, mais vous vous rendez compte que allumer le feu, c'est très compliqué, d'accord? Donc il faut absolument des allumettes. Oh, je sais pas, croyez-vous en Dieu? Ça dépend des jours. Aujourd'hui, oui. Peut-être demain, non. Croyez-vous qu'il existe des formes de vie intelligentes ailleurs que sur Terre? Mais bien évidemment. Y a-t-il quelqu'un qui va répondre non à ça? Croyez-vous les horoscopes que vous lisez? Excellent, ça comme question. Regardez ma vidéo sur l'astrologie, vous allez voir ce que j'en pense. Ils ont quand même mis seulement s'ils sont positifs. C'est du génie. C'est limite, ils ont... je pense qu'ils ont vu ma vidéo, c'est... je vois pas d'autre solution. Croyez-vous en l'être humain? Ça pourrait être le sujet d'une vidéo. Ou le sujet d'un bac de philo un peu chiant, qui finirait forcément sur des exemples horribles. Et voilà, je sais combien je coûte maintenant. Si vous voulez m'acheter, sachez que je coûte, préparez-vous, 5 644 950 €. Voilà, je fais pas de réduc, paiement par chèque ou par espèce. Personnellement, quand je me suis posé la question du prix d'un humain, ouais, je me posais des questions un peu étranges. Je ne pensais pas que cela ferait près de 60 ans que des économistes et philosophes travaillent activement à apporter une réponse. Et je pense que le débat va beaucoup évoluer avec les années, tout comme les différents prix qui ont été plus ou moins fixés aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce bleu, dites-moi combien vous coûtez en commentaire, et évidemment, abonnez-vous, parce que ça, c'est gratuit. En tout cas, je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao! Thank you.